Dans cette vidéo, je me lance le défi de passer 7 jours dans la rue sans argent, juste avec mon ballon Star Freestyle. Je vais devoir gagner de l'argent et j'aurai aussi le droit de m'amuser car c'est aussi l'objectif de cette vidéo. Voici mon aventure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Star Freestyle se lance le défi de passer 7 jours dans la rue sans argent, juste avec mon ballon Star Freestyle. Pour ce défi, je n'aurai le droit à rien sauf mon ballon. C'est-à-dire que je vais donner au caméraman derrière moi mon argent. Donc là, je vais donner ma carte bancaire, les potes, et je vais devoir faire du freestyle, gagner de l'argent. Je ne vais pas jouer de ma notoriété pour essayer de gagner de l'argent. Ce sera vraiment en mode survie. On va chercher un lieu. Actuellement, je ne l'ai pas dit, on est dans Bordeaux Centre. Et il est 10h30, il fait déjà ultra chaud, les gars. Le soleil est en train de taper. Ok, pour la vidéo, je pense qu'on a trouvé un bon emplacement. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Ce qu'on va faire par contre, là maintenant, c'est qu'on va poser ce petit sac. On pose ça par terre. On va voir combien on peut gagner grâce à ce petit street show. Et pouvoir par la suite, si on peut se nourrir, payer un hôtel. On verra ça juste après. Là les gars, sans musique, on va voir ce que ça donne. Ouh. Avec la petite pièce, merci beaucoup. Ok, on va voir comment ça se déroule. Fait du temps, merci. Super, merci. Ok, quatrième street show les potes. On a eu un peu d'argent dans la petite pochette. On va compter juste après. On termine sur ça les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci mon pote. Merci beaucoup. Ouais, y'a pas de soucis. Merci les gars. C'est bon. Merci mon pote. Tchac. Spoum. Merci mon pote. Maintenant, on va voir combien on a réussi à gagner grâce à ce petit street show, en sachant qu'il n'y a pas de musique, qu'il n'y avait pas de pancarte, qu'il n'y avait pas d'incitation. Ok les potes, je viens de compter et il y a environ plus de 12 euros. Franchement, enfin, c'est pas ouf, c'est parce que tu sais, il n'y avait pas l'enceinte, c'est vraiment un petit début. Ce qui est bien, c'est que maintenant avec les 12 euros, on peut manger quelque chose et pouvoir enchaîner directement par la suite sur un nouveau street show. On a pris source des pains, jamais goûté cette eau. Voilà, petit eau, aussi hydraté pour éviter d'avoir des crampons. Allez, on va prendre le jambon crudité, tomate, jambon, salade, ça fera pas. Deuxième partie de la journée, on vient de finir de manger et maintenant il va falloir qu'on attaque sur un nouveau street show avec le ballon Star Freestyle, les potes. D'ailleurs, le lien est en description et il va falloir se remettre en place, refaire un street show et essayer de gagner de l'argent pour pouvoir dormir ce soir, les potes. Bonjour, est-ce que je pourrais participer avec vous à un petit show de freestyle? Ouais, super les gars. Eh ben, on va leur montrer ce que je sais faire avec un ballon et c'est parti. Merci, nickel. Bon là les gars, c'était chaud. Ouais, j'étais fatigué. Il y a du monde, ça fait plaisir. Et ensuite on passera au troisième show les potes. Mais ça fait plaisir. Ok les potes, donc pour ce deuxième show de la journée, le show de l'après-midi, voilà ce qu'on a eu à peu près. Tac, on ira compter et on vous tiendra au courant. Les gars, on part pour le troisième show, le show à 17h. On a fait le premier le matin, ensuite en début d'après-midi, là vers la fin d'après-midi. Troisième street show de la journée, on va voir comment ça se passe. C'est parti. Allez, nouveau street show, on est au niveau du Miroir d'eau pour ceux qui connaissent. Magnifique place dans Bordeaux. Et on va faire un street show à ce niveau là. Le sol est un peu chaud, c'est le Grand Cagnard. Il doit faire au moins je pense 37 degrés, un truc comme ça. Et on va voir comment ça se passe. Pour le moment je vais bien, j'ai assez bu donc j'ai pas de crampes. Et à part ça le t-shirt, bon, il est un peu sale. Moi je propose juste après le show on s'achète de nouveaux vêtements. Et pourquoi pas un petit McDo. En tout cas on va débuter le show, c'est parti. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Ok les potes, on vient de terminer le street show au niveau du Miroir d'eau. Mon t-shirt est quand même pas mal sale. Donc là, on va aller à H&M et acheter un t-shirt avec l'argent qu'on a réussi à gagner. On s'achète un nouveau t-shirt à H&M, 4,99€. Allez, dernier street show dans Bordeaux. Là, ça fait la troisième fois qu'on freestyle ici. Fort. Bravo. Nickel. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't
Et tout ça, et ça qui est à l'intérieur, on va compter et je vous dirai combien il y a en tout pour ce premier 24 heures. 8,90. Il est 21h, on peut le voir à l'horloge là-haut. On n'a pas trouvé d'hôtel les potes. Les gars, on va se caler dans cet angle et on va passer la petite nuit de 2-3 heures. Et ensuite, on ira prendre directement le TER pour rentrer chez moi. Bon, ça sera une petite nuit blanche, mais pas de soucis, on dormira le lendemain. Bon les potes, on est maintenant le deuxième jour. On vient de revenir en train sur Bordeaux après une bonne petite sieste et on va attaquer directement cette deuxième journée où on va essayer de manger gratuitement grâce à mon ballon Star Freestyle et on va voir comment ça se passe. On va essayer de tout avoir gratuit. C'est parti. Bon les gars, je vais m'acheter un jean parce que si on fait des activités, il me faudrait quand même un jean parce qu'avec le short, il va être sale. Donc là, direction le H&M, on achète un jean. Allez, c'est parti, on rentre dans le H&M et on va se prendre un jean bleu. Tac. Donc là les potes, je suis en train de sélectionner un pantalon bleu. J'ai bien bleu avec petit t-shirt noir, ça fait le taf, comme ça on pourra essayer de faire des activités pendant la vidéo. Allez, on va partir sur celui-là, c'est parti, 29€, c'est parti. Je réalise un petit défi et si je vous impressionne avec mon ballon Star Freestyle, vous m'en ferez quelque chose de gratuit, ça peut être le truc le moins cher. Là on commence tranquille, détour du monde. Est-ce que ça mériterait un petit truc? Une petite boisson, bah nickel, ce que tu veux. Allez, un petit oasis. Allez, ça va, merci beaucoup. Donc là les gars, on part avec un petit oasis. Bon les gars, c'est le premier défi réussi grâce au kiosque. On va prendre un petit oasis, on va boire, on va s'hydrater et on continue. J'aimerais bien manger un petit truc, j'ai un peu faim, donc voilà, on boit et après on va manger. Quand c'est gratuit les gars, c'est meilleur. On va essayer chez Paul. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je réalise un petit défi avec mon ballon Star Freestyle. Et si je vous impressionne, vous m'offrez n'importe quoi gratuitement. Ça peut être le truc le plus petit ou le moins cher, y'a pas de souci. C'est bon? Ok, allez, c'est parti les gars. Et je vais essayer de vous impressionner. C'est parti, on a de la place. Let's go. Donc là, on commence tranquille. Des petits tours du monde. Ok, nickel. Petit blocage. Hop. Tac. Hop. La petite couronne. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à l'équipe Paul. Au revoir. On a un truc à manger. Ben, on va déballer ça, manger. Donc c'est une boulangerie et qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Oh les gars, alors je sais pas si vous aimez vous, mais moi je kiffe. C'est un bon gros canet les gars, on va goûter ça. Incroyable les potes. On se retrouve au miroir d'eau. Bonjour monsieur, réalise un petit défi. Ouais. Et si je vous impressionne avec mon ballon Star Freestyle, vous m'offrez quelque chose de gratuit, n'importe quoi, même le moins cher, y'a pas de souci. Ok. Ok, ben nickel. Et je vais essayer de vous impressionner, si je vous impressionne pas, vous me donnez rien. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on commence tranquillement. Il y a un peu de vent, c'est plus dur. Tac. Montrer des petits skills qu'on n'a pas montré tout à l'heure. Tac. Et là monsieur, les petits jongles au sol. Est-ce que ça vous a impressionné? C'était très bien. Eh ben, merci beaucoup. Venez prendre une glace. Vanille, fraise ou les deux ensemble pour une glace bio? Ce qui va être le mieux pour mes papilles. Chez Green Tuki, merci Green Tuki. C'est des bons les potes. Une petite glace et surtout c'est du bio. On va goûter ça. On va goûter cette fameuse glace, je l'ai un peu goûté en route les gars parce que j'avais un peu faim. Mais pour le moment mes papilles disent que c'est ultra bon. Donc on va continuer à goûter et le caméraman va aussi goûter et me dire ce qu'il en pense. Glace bio les potes. On va prendre une bonne cuillerée. Incroyable, c'est nickel. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai un petit défi que je réalise avec mon ballon Star Freestyle. Et si je vous impressionne, vous m'offrez quelque chose de gratuit. Si je vous impressionne pas, vous me donnez rien, y a pas de souci, c'est le jeu. Parfait. Petit trick, les gars. Voilà. Est-ce que ça mérite un petit truc à manger? Bien sûr. Les gars, on va voir ce qu'on va pouvoir manger. C'est parti. C'est mangez-moi, les gars. Ça fait plaisir, ils régalent. Ce sont des bons. Super, super, merci beaucoup. Donc ça fait plaisir, les gars. On va goûter ça. Nickel, broche de kebab et tout. C'est incroyable, les gars. On va se régaler. Tout ça avec le ballon Star Freestyle. Je l'ai impressionné. Et comme j'ai réussi, je vais avoir un petit truc à manger. Regardez, incroyable, regardez les gars, le pain, c'est pas en fromage. Regardez le beau repas, merci beaucoup monsieur. Donc c'est vraiment, c'est mangez-moi, c'est ça? C'est ça, mangez-moi. Et nickel, merci beaucoup, passez une bonne soirée, au revoir. Allez, on va goûter ça les gars, c'est parti. Les gars, franchement, je suis choqué, je repars avec, je crois c'est une sorte de kebab avec des frites. C'est incroyable les potes, on va goûter ça. Monsieur, trop sympa, c'est incroyable les gars. On peut manger gratuitement grâce au Freestyle Football. C'est parti.
Ah ouais. C'est incroyable les gars. Waouh. C'est génial, c'est super bon. Et là les gars, pour ceux qui ont oublié, qui se demandent si j'ai la boisson, bien sûr que oui. Petite boisson chez le kiosque Oasis. Bon les gars, on va terminer sur la dernière activité d'aujourd'hui. Et c'est la grande roue. C'est incroyable. Si on arrive à monter dedans, ça serait ouf. Surtout gratuitement avec mon ballon. On va tout donner les potes, on va essayer de l'impressionner. Bonsoir. Alors j'ai un petit défi à réaliser. Depuis ce midi je suis en train de le réaliser, ça marche plutôt bien. Et je voulais savoir pour terminer, ça serait magnifique, si je pouvais faire un tour de roue gratuitement, si je vous impressionne avec mon ballon Star Crystal. C'est à dire que si je vous impressionne pas, vous me dites non. Et si je vous impressionne, je fais un petit tour. Ah bon, ben les gars, je vais pas pouvoir faire de tour gratuitement. On va terminer la journée sur ça, malheureusement je ferai pas de tour en roue. Et voilà les gars, on a terminé une super journée. Essayez de tout avoir gratuit, ça a plutôt bien marché. Maintenant les potes, je vous en ai parlé au début de la vidéo, on a trouvé un logement pour pouvoir dormir et continuer ce 7 jours. C'est parti, venez avec moi. Je vais vous présenter un peu. On va aller voir les potes. Yo, salut, tu vas bien? Donc là les potes, on est avec Baptiste. Et Baptiste va me prêter son appartement, 30 euros par nuit. Donc là, à gauche, il y a la salle de bain. Ok, à manger. Ok. Cuisine ici. Nickel. Tu pourras dormir avec super. Le matelas. Donc là les potes, on va pouvoir dormir. Il a un matelas ici et un matelas ici. Donc nickel, ça fait deux emplacements pour dormir. Top. Le petit déjeuner ici, j'ai des céréales, j'ai pas mal de choses. Oh bah nickel les potes. Comme ça on pourra déjeuner avec lui ici. Et il y a des céréales. Donc nickel, j'essaierai aussi de pourquoi pas acheter un petit jus d'orange, un petit truc comme ça pour régaler. Bon les potes, voilà, on a trouvé un lieu pour dormir. Ça c'est top, ça fait plaisir. Donc là, on va se reposer et on se retrouve dès demain pour la suite de la semaine. Let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. On part sur le jour 3. Et là, les gars, on a le petit déjeuner. Donc là, on va se régaler. Et ensuite, un petit golf. Oui, les gars, un petit golf. C'est la première fois de ma vie, d'ailleurs, je vais en faire un. J'ai un pote hier qui m'a proposé un golf. Donc c'est lui qui va m'emmener. Donc je perds pas de budget, à part qu'il faudra que je paye les balles. Mais à ce qui paraît, c'est pas très cher. Moins de 5 euros. Donc je vous tiens au jus, les potes, et on va voir comment ça se passe. Et voilà, les gars, c'est parti pour le golf. Donc là, on est dans la voiture et on va se taper des petites balles. C'est la première fois de ma vie. On va voir comment ça se passe. Let's go. On est arrivé avec le copain au niveau du golf. Donc lui, il a ramené ses bats. Moi, j'ai la pièce de 2 euros pour avoir, je crois, c'est 40 balles. On va mettre 2 euros dans cette machine et elle va nous faire sortir une vingtaine ou une quarantaine de balles. Donc c'est parti, on va voir comment ça se passe. Et là, les gars, on a mis le saut. Oh! Et les balles, elles tombent. Let's go! Donc voilà, on a une vingtaine de balles, les potes. C'est parti, on va s'installer sur notre spot, tout simplement. Et voilà, on va se mettre en place, on va prendre les balles. Allez, on va chercher notre club de golf. C'est parti. Merci, ça fait plaisir. Donc on m'a un peu appris comment fallait tirer. Les gars, on se met comme ça. Donc on m'a dit qu'il fallait mettre le pied en face de la balle. On s'écarte un peu. Pim 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 pim. Tchou tchou tchou. Et voilà les potes. On tend le bras. Il va lancer une balle. Là, c'est comme le freestyle. Il faut juste s'entraîner et prendre le mouvement et après ça partira tout seul. Regardez, nickel. Bon, elle part pas bien haute, mais elle part bien droite. Oh, yes, là j'ai bien pris. Oh, on lave au fond. Et voilà les potes, on vient de terminer cette session de golf. Ça fait trop plaisir, c'est la première fois que je tire avec une batte de golf. Mon pote m'a appris un peu le mouvement à faire. Et voilà, après c'est comme le freestyle les potes, on s'entraîne, on essaie d'apprendre un peu le mouvement. C'était pas parfait, mais je pense que c'était assez correct au niveau de mes lancers, on appelle ça des lancers de golf. Donc voilà, ça fait plaisir, on retourne sur Bordeaux les potes et c'est reparti pour un nouveau street show. Là, on va aller faire un street show les potes, donc je vais rejoindre des freestylers qui font un street show. Il y aura de la musique, donc ça c'est top parce que sans enceinte, vous en remplir au jour 1, c'est compliqué. Donc là c'est parti, on est sur Bordeaux, on va faire un street show avec eux. Ça va? Tac, tac. En tout cas, j'espère que la journée va bien se passer, les potes. Et voilà, on va tout donner et c'est parti. On a mis la petite cagnotte là, donc c'est une petite boîte de chaussures. Emery qui a mis des petites pièces à l'intérieur. C'est quoi? C'est la petite technique pour montrer qu'il y a eu de l'argent, pour inciter. Nous, on le faisait pas sur le jour 1 des street shows. Et là, on va le faire sur le jour 3. On va voir si c'est mieux ou si c'est moins bien. Et voilà, donc là, je vais m'échauffer et c'est parti. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't up. Merci. Merci. Et voilà, premier street show. Enfin, premier pas à terminer, ça fait plaisir, il y a du monde. Donc voilà. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from there. Ok les gars, donc là il y a la boîte de chaussures, il y avait de l'argent à l'intérieur et il y a beaucoup de gens qui sont passés, qui ont tapé dedans. Du coup les pièces elles sont tombées à l'intérieur, regardez. Ouais c'est bon. Nickel. Ah oui ok. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a... Et voilà les gars, on vient de terminer le spectacle, c'était top. Donc là les potes, on va prendre une bouteille d'eau. Donc là on va boire et ensuite on va aller chercher un truc à manger. Les potes, cette journée c'était incroyable, on a fait des streets, on a gagné de l'argent et ça va nous permettre demain d'aller sur la cano les potes. Donc là on va aller dormir tranquillement. Ah c'est une grosse journée. Et demain on attaque directement la quatrième journée les potes à la cano. Bonjour tout le monde, on est au jour 4, direction la cano la plage, il fait chaud donc ça fait plaisir. On va essayer de faire un street show, on attend le bus direction la cano. On est bien arrivé sur la cano océan. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans l'appartement d'un pote qui me l'a prêté pour l'occasion pour une nuit. On est bien arrivé dans l'appartement des potos donc ça fait super plaisir. On a le lit pour ce soir donc ça c'est nickel. Du coup je vais rester dans cet appartement une nuit. On va essayer d'aller faire un petit surf parce qu'ils ont une planche et une combinaison donc ça c'est top. Et on fera un street show le soir les gars pour gagner de l'argent et pouvoir payer ce petit loyer. Donc là les potes vont me le faire à 15€ la nuit, ils sont super sympas. Et en plus de ça ils m'ont offert une brosse à dents, un dentifrice et un savon de Marseille, ça fait plaisir. Ils sont ultra bons, la vanille les gars, ceux qui connaissent, j'adore l'odeur. Et voilà donc on se brossera les dents comme ça on sera prêt pour le street show de ce soir les potes. Et aussi je vais aller récupérer mes habits du street show d'hier et on va nettoyer nos vêtements. On allume l'eau, on va mettre de l'eau chaude, on va mettre un peu de savon. Regardez les gars la couleur de l'eau pour vous dire que mes vêtements étaient vraiment sales. Là les potes, j'ai installé les habits pour qu'ils sèchent au soleil. Je suis aussi entre temps allé chercher du riz basmati que j'ai mis dans la cuisine de riz. Donc ils avaient une cuisine, ça c'est nickel. Le petit riz à l'intérieur qu'on va manger. La boîte de thon pour les protéines et pour être en forme pour le street show de ce soir les gars. Ok les potes, donc là on a une planche de surf et on a une combinaison. J'espère qu'elle sera ma taille. On va enfiler tout ça et go dans l'eau les gars pour aller surfer. Essayer de prendre des petites vagues. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ok, donc là on est en direction pour aller au show. Oh, ok. Bon les gars, on est venu au spot pour faire un street show. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Là on peut le voir déjà à la rue derrière. Donc là il est 20h, il y a le coucher du soleil à 21h. On va voir, on va essayer d'attendre vers 21h les gars. Donc on va attendre une heure. Donc là il y a de plus en plus de monde. Sortir l'enceinte, allumer la musique, s'échauffer avec le ballon. Et on va voir comment ça se passe les gars. Ah, il y a toujours plus de pression quand t'es solo. Et pour récolter l'argent on a la petite casquette. Pour le moment il n'y a pas grand monde. Et on va voir si ça serait une bonne journée ou une journée moins bonne. En tout cas à Bordeaux ça s'est super bien passé. On va voir à la cano comment ça se passe. Donc là les gars on vient de s'échauffer pour essayer de ressentir un peu les gestes. On commence directement. C'est parti. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Merci. Donc là ça fait plaisir. Merci beaucoup. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
Premier street show, premier passage. C'est un peu compliqué, je tremblais un peu des jambes. Mais solo c'est plus dur, merci beaucoup. Et on va enchaîner sur un deuxième, puis troisième, puis quatrième, puis cinquième. Merci beaucoup, fort 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 fort. Voilà. Allez les gars, on part sur le deuxième passage. On est reparti, on va essayer de monter lower un peu en niveau les gars. On finit sur ça les gars. Tac. Merci beaucoup. Merci. T'as vu sur ça un petit truc. Merci. Merci. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Fort, 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 fort. Bouge pas. Voilà. Et voilà les potes, on vient de terminer ce premier street show sur la Cano. C'est sûrement le dernier parce qu'après on va direction Bordeaux. Donc on a réussi à avoir pas mal de pièces de 2 et 2, hein. Ça fait super plaisir. Merci aux personnes qui étaient sur la Cano. Et donc on va pouvoir payer le bus, payer de la nourriture et payer le logement. Ok les potes, donc là avec l'argent des street shows, on va mettre 3 euros. Donc là les gars, on a la petite vaisselle italienne, citron framboise, ça fait plaisir. Et voilà les potes, on est rentré à l'appartement. On va pouvoir aller dormir tranquillement, se reposer. On se réveille demain matin, petit déjeuner et direction le bus pour aller directement sur Bordeaux. Et là, on va bien se reposer et demain en forme. Et voilà les potes, ça s'est super bien passé, on s'est bien amusé à la Cano. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre le bus et on rentre sur Bordeaux. Let's go! Et on va donner de l'argent aux Bordelais et j'espère qu'ils sont pas trop techniques. Sinon, les gars, ben, j'aurai plus rien dans le porte-monnaie à la fin de la journée. On va aller demander aux premières personnes de la vidéo. Excusez-moi de vous déranger, je réalise un petit défi et je vous donne tout simplement 1 euro par jongle. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah, ok. Ah, après le dernier, est-ce que c'était un jongle? Pour l'instant, vous êtes à 11 euros sûr. Est-ce que vous considérez que c'est un jongle le dernier? Non. Non, ok, bon, il va repartir déjà avec 11 euros. Allez, si elle lâche la balle et qu'elle tape, elle tape, je valide. Allez, t'es prête? Tu fais une tape, je valide. 1, 2, 3. Bon, ben monsieur, vous allez repartir avec 11 euros, je vais vous les donner. 9, 10, 11. Et voilà pour vous monsieur. Eh ben écoutez, et voilà. Merci pour la journée dans la rue et puis Profitez bien et bonne journée. Les gars, on va faire un jongle 1 euro avec Yassir. Est-ce que tu fais du foot? Moi, je fais du foot en club. Ok, donc les gars, je pense qu'il sait jongler. Montre-moi une petite démonstration avec ce ballon. Comment tu jongles? 4, 5, 6, 7, 8. Les gars, on peut voir qu'il est chaud. C'est un joueur de foot. C'est nickel parce que les joueurs de foot, les gars, j'ai tout prévu. Je vais pas te donner ce ballon. Je vais te donner un autre ballon. Va jongler avec un ballon de rugby cette fois-ci. Donc Yassir, je vais te donner un ballon de rugby et je vais te donner l'équivalent en jongle en euros tout simplement. Ok? Oh yes, oh vas-y. Allez, c'est parti pour Yassir. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Yassir, les gars, il a géré, il a fait 10 jongles avec le ballon de rugby. Donc mon pote, tu vas repartir avec 10 euros. Ok, merci. Continuez, les gars, let's go. Bonjour les filles, excusez-moi de vous déranger, je réalise un petit défi et vous pouvez gagner tout simplement 1 euro par jongle. Tu fais un jongle, tu gagnes 1 euro, tu fais plus, tu gagnes plus. Allez, nickel, c'est parti. Ça fait longtemps. Ok, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, donc elle va repartir avec 5 euros, le challenge est tout simple. Et voilà, donc je vais te donner 5 euros et bah, j'espère que ça va te faire plaisir. Alors, déjà fait du foot? Un an. Un an? Ok, ça va, il y a des bonnes bases. Alors, 2, 4, il fait 5. Et voilà, régale-toi. Voilà, passez une bonne journée. Au revoir. Rendez aux personnes un peu plus âgées, c'est parti. Bonjour monsieur, je réalise un petit défi et c'est tout simple. Je vous donne 1 euro par jongle. Vous faites un jongle, je vous donne 1 euro, vous faites plus, je vous donne plus. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est pas grave, faut jouer. 1, 2, 3. Bien joué monsieur, 3 euros les gars. Monsieur, je vais vous donner 3 euros, bien joué à vous. Et c'est parti. Hein. Voilà, c'est tout simple. Et je vous donne une pièce de 2 et une pièce de 1, ce qui fait 3 euros. Et voilà. De rien. Salut les filles, réalise un petit défi avec mon ballon et je vous donne 1 euro par jongle. Si vous faites un jongle, je vous donne 1 euro. Si vous faites plus, je vous donne plus. C'est tout, vraiment, c'est très simple. Tu fais un jongle, tu gagnes 1 euro. Tu fais plus, tu gagnes plus. Tout simple. Juste comme ça. Regarde, 1. Allez, remettre l'autre jambe. T'aurais pu gagner plus de 2 euros.
1, 2, 3. Hop là. Et voilà les gars, on partait avec 4€ de rien. Bonne journée. Et voilà les potes, c'est bon, on vient de se prendre un petit granité cola tropical. Ça fait plaisir. Regardez la petite couleur bleue, magnifique. Bon, ça colore un peu la langue, mais c'est pas grave. Ça va rafraîchir. Si vous vous souvenez, sur une des journées, je n'ai pas pu tout simplement faire un tour de roue gratuitement. Dommage. Mais là, cette fois-ci, les gars, pour cette journée, on va se faire plaisir. Petit tour de roue. Venez avec moi. C'est parti. Let's go. Allez les potes, c'est parti, on va monter dans la roue et monter tout là-haut les potes, profiter du soleil et de Bordeaux. C'est parti, on est dans la rouille, on va monter tout en haut, là on était vers le bas et là on va monter vers le haut. C'est magnifique les gars, regardez-moi ça. Et voilà les potes, hein. Là ça régale. Bon, sur cette journée les gars, on a perdu pas mal d'argent, mais ça fait plaisir et c'est magnifique. On y vit bien. Journée 5 terminée, on a fait 1€ par jour aux gens dans la rue. Alors c'est bon, on a perdu les gars pas mal d'argent sur cette journée, mais moi ça me fait super plaisir de pouvoir donner aux gens dans la rue de l'argent. Donc c'était quand même une très belle journée, journée 5. On va passer à la journée 6. Je pense qu'on va repartir les gars sur un petit street show et on va voir tout simplement comment ça se passe. Et demain, il y aura beaucoup d'activités. Je pense qu'on va bien se régaler. À demain. Bon les potes, là on vient de se réveiller tranquillement, on part sur l'une des meilleures journées je pense. Et là les potes, on a quoi? Le petit déjeuner tranquille, petit pain, petit jus de raisin et les Kellogg's. On se régale et on part directement faire des activités de ouf. Donc sans plus attendre, on est parti, let's go. Bon les gars, maintenant on va faire un karting. Donc là il y a le karting, mais nous on va pas utiliser celui-là les gars. On va utiliser celui sur la piste, c'est un karting en intérieur. Et on va essayer de faire un petit tour et voir ce que ça donne. On vient de terminer le karting, c'était incroyable. Maintenant, on se prend un petit McDo, on est toujours dans une semaine et on essaie de se faire plaisir les potes, c'est important. Donc voilà, petit McDo, il arrive, on se régale et c'est nickel. Bon les potes, classique, le Big Mac et les petites potatoes qui vont avec. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. On a terminé le street show et maintenant on va se prendre un petit sandwich et une petite boisson au Carrefour Express. On va partir sur un petit Sprite, ça fait longtemps. Allez les potes, direction le cinéma, let's go. Je pense qu'on va aller voir Top Gun, toujours dans l'objectif de se faire plaisir jusqu'à la fin. Voilà les gars, c'est parti. Franchement les gars, il a de la gueule le cinéma, regardez ça. Il est immense. On va pas être beaucoup dans le cinéma. C'est parti, direction Top Gun. Bon les potes, on vient de terminer la séance. C'était incroyable, franchement, Top Gun, super film. Et du coup, bah, on a terminé. Direction l'appartement pour dormir, les gars. Donc l'appartement du poteau, on prend le tram. Et on se retrouve dès demain pour la suite des 7 jours, les gars. C'est une journée, j'en ai eu plein les yeux, les gars. C'était incroyable. C'était journée 6. Les gars, la journée 7, ça va être encore plus gros, les gars, ça va être encore plus incroyable. Puis on enchaîne sur la plus, je pense, la plus grosse journée, journée 7, les potes. On prend le petit déjeuner, jus de raisin, petit gâteau. Et là, vous savez où on va, les potes? On va à Londres. Donc les gars, pendant la semaine, j'ai reçu un mail, c'est en début de semaine, comme quoi je devais aller à Londres pour tourner une pub, les potes, avec une marque de téléphone. Et du coup, ben, c'était assez speed, c'était sur la fin de semaine. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas aussi la mettre dans la semaine, puisque ça fait partie de la semaine, les gars. Ce qui est cool, c'est que la marque, les gars, m'a payé le trajet, l'hôtel. Donc j'ai vraiment rien à payer, les potes. Donc les gars, on est toujours sur le défi des 7 jours. Vivre dans la rue sans argent pendant 7 jours. Donc là, ça va être incroyable. C'est la première fois que je vais à Londres. Et voilà, il me tarde de voir les bus rouges, les potes. Ça va être, je pense, magnifique. Et puis, sans plus attendre, on est parti. Let's go. On est à l'aéroport de Bordeaux et on va prendre l'avion direction Londres pour un tournage d'une marque de téléphone. Là, les gars, on est dans le taxi. Et si vous ne me rappelez plus, on conduit à droite ici et pas à gauche. En tout cas, c'est trop stylé. Puis, c'est parti, les gars, on va à l'hôtel. C'est bon les potes, on est dans l'hôtel à Londres et on va aller voir la chambre. Venez avec moi les gars, c'est parti. Là on a la salle de bain, on va la bouffer, toilette, magnifique lavabo. C'est pas magnifique les gars, et franchement ça régale.
on va se régaler les potes. Donc là, on est venu ici pour faire une sorte de pub en freestyle football avec le ballon pour une marque de téléphone. Elle est incroyable, les gars. Il y a de tout, il y a de quoi boire. Il y a des filles qui ont canapé, les potes. Franchement, elle est incroyable, la chambre. Ouais. Là, les gars, on va voir un peu dehors, mais je pense qu'on verra pas. Mais si. Vous voyez un peu. Hop, allez, les gars. Dehors, on va recommencer. En plus, il y a un truc pour manger à côté là. Franchement, les gars, le freestyle, c'est quand même incroyable. Regardez la chambre. Et franchement, tout est là offert. Donc là, on est sur une semaine de 7 jours. On termine en mode grosse pépite. Les gars, si vous aussi vous voulez vivre des expériences de fou, voilà, je vous donne le conseil, les potes, d'apprendre le freestyle. Vous pouvez retrouver mes programmes d'entraînement. Le lien est dans la description. Et voilà, les gars. Allez, on passe maintenant à la deuxième tenue, les gars. Allez, maintenant c'est l'heure de manger. Bon là les gars, c'est la pause de repas. Oh là là. Là les gars, on est en train de faire un cul rouge avant le tournage. Ça fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao! From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all.